Bon, vous pouvez enregistrer le fichier. Alors là, on va déverrouiller tous les calques qui concernent ce dessin. Pas le calque de fond, mais tous les calques, sauf le calque de fond, sont déverrouillés. On va faire un contrôle A pour tout sélectionner. Alt déplacer pour faire une copie et on va travailler sur la copie. Comme ça, on garde par sécurité l'original là au-dessus. Bon, ben, on va se débarrasser de ce qui est blanc. Le plus simple, plutôt que d'essayer avec le Pathfinder et de chipoter, ça marche avec, hein, le Pathfinder, mais c'est parfois plus simple de pixeliser ça et de le revectoriser avec l'option ignorer le blanc coché. On va faire ça. Vous avez donc tout ce qui est en dessous là qui est sélectionné. Vous faites menu objet pixelisé. Donc c'est une pixelisation à 300 pixels par pouce, donc assez élevé. Ok, et voilà ce qu'on obtient. Donc du coup, on a en fait une image qui est dans le calque des veines. Ce serait peut-être pas plus mal de créer un calque et de transférer l'image dedans. Voilà, vous gardez ces noms-là. Je verrouille les autres calques, je vais continuer sur le calque 5 ici, avec cette image-là.